ici Truffy et bienvenue pour la suite de notre Let's Play Out There. Cette fois, le commandant Truffy, aïe, va être très sérieux et va vous mener au bout du voyage. Je promets d'y arriver. Partie 18, c'est maintenant. Pourquoi je commence avec 90 de carburant en plus? C'est injuste. Moi, je vais regarder sur ma planète de base et je vais aller voir ce qui se passe. Et je touche ça et je prends de l'oxygène. Eh oui, c'était inutile. Mais je n'ai cuir de ces médisances. Je vais... Non, j'ai dit sérieux, sérieusement, j'y vais. Voilà, j'y vais, sérieusement. Jour 18. Il y a eu une panne dans la propulsion interplanétaire et une fuite dans le niveau à mercure. Le mercure liquide s'est étalé sur le sol. Et bien que ce soit très toxique, je suis aveugle. Oui, on l'a lu précédemment dans Yu-Gi-Oh, tu sais. J'ai dit que je serais sérieux. Pourquoi je fais des références à des trucs comme ça? Des coiffures aussi rocambolesques, je ne sais pas. Personne ne sait. Toi-même, tu ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas, donc, tu vois, à ce stade, il ne nous reste qu'une chose. Pénétrer des planètes et prier. Prier pour que ce con d'autre fille arrête de dire des saloperies. Et ne meurt pas encore une fois dans l'espace, mais bon, ça c'est trop demandé, je crois. Voilà. Pour l'instant, on va utiliser les énergies de dernière ressource. Et quand je dis énergie de dernière ressource, c'est, voilà, un peu dans ce genre-là. Quand c'est rouge, on laisse couler, tu vois. On fait genre, ouais, c'est rouge, j'aime le rouge. Bon, moi, je vais là-bas, en fait. Parce que qui sait, peut-être que là, supernova... Oh, bah dis donc. Pardon. Peut-être que supernova, eh bien, c'est égal à bah, l'oxygène, en l'occurrence. Bon, c'est pas égal à plus, mais tu vois, ça nous a servi. Ça nous a un peu servi, donc je ne suis pas mécontent. Je suis plutôt content de moi. Nous allons maintenant aborder la géante gazeuse que vous pouvez voir à votre droite et la sonder profondément. Ce qui n'aura servi à rien. Juste à récupérer ce que nous avons dépensé, ce qui est plutôt honteux. Nous allons maintenant investir la planète rocheuse. En effet, nous pourrons y trouver du fer. Enfin, nous espérons y trouver du fer. Important pour la coque et d'autres constructions. Le scie peut être précieux en certaines circonstances. Nous allons aussi prendre du HF au cas où un haut fait se présenterait à nous, c'est-à-dire construire une nouvelle technologie. Nous allons à présent décoller. Je vais en profiter, durant cette phase, eh bien, dangereuse, de rajouter du fer. Nous ne savons jamais ce qui peut arriver. Ensuite, nous allons observer cette planète jardin et peut-être rencontrer la vie. En atterrissant, après avoir atteint l'orbite, je me demande quelle race extraterrestre nous attend. Des cristaux, ils me parlent. J'approuve. Mais je ne comprends rien. Je leur donne du fer, et ils ont l'air de me demander ceci. Ils apprécient mon cadeau, et me donnent de l'oméga en échange, qui pourrait être salvateur. Et j'ai... Oh putain! Projecteur à fluctuation de vide. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merci, Cristal, mes amphétamines. Man. Oh mon dieu! Me voici avec de l'or! Mais d'abord, avant de tester le manodou, il faut que je regarde ce que j'ai avec moi. Projecteur à fluctuation de vide. Ce dispositif génère des particules depuis les fluctuations du vide pour créer des boucliers virtuels contre toute agression extérieure. Oh. Il me faut un générateur de boucliers, donc c'est parfaitement inutile. J'aime ça. Durant mon voyage, et entre autres, j'ai appris que, plus important que tout le reste, c'était l'or et le cul, comme dans la vraie vie, qui domine ce monde. Au niveau des créations, en tout cas. Jean Bleu, me voici, dans un schrumpf. Qu'as-tu à me proposer? Ok, je l'ai à peine vu et encore au dernier moment, mais un trou noir de petite taille se planquait dans la ceinture d'Oort de ce système. J'ai mis les gaz à fond, mais cela ne suffisait pas, alors j'ai allégé ma masse pour gagner de la puissance. Et j'ai perdu des choses, j'ai perdu plein d'oxygène. J'adore. Ouais, tu le sens là que c'est très utile là ce que je suis en train de faire? Je vais être obligé de... Je fais ce genre de choses, écoute. On n'est plus à ça de près. Allez, on n'est pas des tafioles, un petit 5 quand même. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est du gros chiffre, mon babouliné. Et d'oxygène, parce qu'il fait un peu pitié le 2 tout seul. Ensuite, nous allons descendre vers ces trucs-là. Il y a plein de trucs là-bas. On aura sûrement des choses à aller voir, regarde. Piou, 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 naine rouge. Une lune s'est soudainement dressée sur ma trajectoire. Elle fait genre, kikou, tu veux voir ma lune? Non. Je n'ai pas pu l'éviter et je l'ai traversée. Elle était liquide. Oh, eh bien, génial. Du carburant gratuit, oui. Ça va pas m'empêcher d'en prendre plein. Il faudrait vraiment que j'augmente ma résistance parce que j'ai l'impression que... Oh putain. Je prends cher à chaque fois. Elles sont dangereuses, je sais pas pourquoi c'est si dangereux le gaz. Je sais que c'est potentiellement dangereux parce que ça pue, mais... Au-delà de ça...
Oh, Gruyère, mon bon Gruyère, dis-moi que... Oh, cette planète a abrité la vie, mais elle est bien morte aujourd'hui. Haha, t'es morte. Aux abords et au mur d'une cité de pierre, vide, je découvre un hangar peuplé de statues d'animaux. À côté, une pile de composants. Je reconnais un plieur d'espace cassé. Il y a quelque chose d'inconnu. Oh, je ne sais pas. Mais j'ai un scanner généalogique et ça, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est absolument... C'est incroyable. C'est magistral. Cette découverte va révolutionner tout ce que tu veux. Eh, je peux le construire, tiens. Peut-être que ça va me servir, je veux dire. Pourquoi pas? Si quelque chose peut me servir, je le construis, tu vois. Regarde, scanner. Oh, mais c'est génial ce truc, ça va me sauver les couilles. Mais littéralement, quoi, ça va me sauver toutes mes couilles. Toutes. Toutes les couilles du monde. Ça me fait dépenser un peu de ça, mais regarde. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus du... Oh, anomalie détectée! Il faut qu'on y aille quand même, parce qu'il y a du fer et du pété. Et le fer, c'est intéressant quand même. Pop! Une pierre rectangulaire, une tombe noire sur une planète morte. Sur la tombe, aucun mot. À part, ce tombeau sera votre tombeau. Mais un dessin, un schéma technologique auquel je ne comprends rien, puisque j'ai dormi durant mes cours de technologie quand j'étais au collège. Je prends des notes, peut-être cela me sera utile. Ah, voile gravitationnelle, waouh, waouh. Du fer et du pété, rien pour moi. Rien pour moi. On va déjà prendre le pété, hein. On va se la péter nous-mêmes. On va voir ce... Non, reste là, reste tranquille. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'or pour l'instant? Non, on n'a plus besoin de l'or, donc tu vois? Oh, comme je deviens intelligent, un bon commandant, n'est-ce pas? Tu es fier de moi? Je sais que tu es fier de moi, tu peux le dire. Fais un bisou, allez. Tout de suite la suite, mon coco. Supernova, Gaspar. C'est parti! Les pops! Il y avait ce petit point, brillant au loin, comme un petit trou du cul de l'espace. Une comète. Ah, voilà la comète. J'ai échappé au monstre, le carburant! Ah! Ah! Ah, il va falloir que je retrouve de... Comment on appelle ça? De... Ah, j'ai oublié le mot. L'oxygène, voilà. Putain. Ce qui manque à mon cerveau, parfois. Ah, scanner! Waouh! Du H et du HE, mais c'est parfait! C'est génial, ma couillesse! Exactement ce dont on avait besoin. Maintenant, on va aller par là. Out there. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est le truc... Jeter la cargaison, voilà. Jette un morceau de cargaison, tungstène, platine, on s'en fout. Et on va voir la vie. Respire un coup. Respire. Qu'est-ce qu'il y a en plus? De l'eau, du cône. Non, ça s'avérera à rien. Mais on va rencontrer la vie au moins. Et refaire nos réserves d'oxygène. Oh, le scanner, je te baise le scanner, t'es trop bien. Lui avec ses tétons, il va nous dire « Ah, oh, j'approuve, blablabla. » Ah, d'accord, bah... Un jour, j'apprendrai l'alien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il y a que du H. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, allez, je dis on tente quand même parce que c'est du H, ça peut servir. Oh oui, regarde, c'est quand même... C'est sacrément pas mal, même, je dirais. Et là, qu'est-ce qu'on va y trouver? Viens voir. Scanner. Oh, du fer! Ah, mais ce scanner me fait bander, je t'assure, il me donne des érections de la taille du Mont Everest, quoi. Mont Fuji, comme tu veux. Est-ce que j'ai besoin du pété? Pas vraiment, non. Non. Non, donc du fer. Putain, c'est tellement pratique. Je commence à devenir un dieu, un Apollon de l'hyperespace. Hyperespace. Un angel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a une suppression d'oxygène dans le régulateur. Je vois tout en rouge, j'ai frôlé la mort, c'est la fête. Là, là, là. Oui. Oh, bah là, bah, tu vas être content, regarde. L'ironie du sort. C'est genre, je vais mourir, et puis là, plein d'oxygène. C'est ce qu'il me fallait la dernière fois. C'est mal réparti, vos planètes à la con. Hein. C'est genre, non. C'est pas bien réparti. Je ne suis pas d'accord. Bonjour la vie. La vie, je te parle. Oh, t'es moche, bordel de merde. Tu as trois couilles sur le menton. Alors, nous, Alara, Epma... Si tu veux, je te donne de l'EH. Je te le donne. Tu es content. Merci pour la technologie. Maintenant, je vais m'en aller. Attends, je vais juste regarder ce que je peux construire. Comme il n'y a pas du fer sur cette planète, on va décoller. On va se faire les autres. Rien non plus, mais il y a peut-être des choses, hein. La vie, c'est bien. Rencontrer la vie, encore le truc moche dont je sais même pas ce que c'est. J'approuve! Ah, il a peur, d'accord. Bon, au moins, j'apprends des choses, tu vois. On apprend de nos erreurs, tout ça, c'est bien. Dictionnaire, etc. Ah, toi, je sais que je peux marchander avec toi. Ah oui, donne-moi de l'œil, l'Oméga, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir, poteau. Voilà. J'ai pas mal géré pour l'instant. Pour l'instant, je gère magnifiquement bien. Je ne mets pas, même pas à dévier de ma trajectoire, j'avance. Juste... Téton. La prière est entendue. Une planète me paraît ici très inhabituelle. La géante gazeuse semble filtrer une lumière sourde intérieure, comme si elle abritait un mini-soleil.
mini-soleil. En orbite, je ne peux rien distinguer d'autre que ses lumières. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, je te rume ou je regarde. Je tente de descendre sans protection vers les couches denses de la planète. Mais rapidement, ma carlingue grince sous les pressions extrêmes et les marées gravitationnelles. Un instant, dans les volutes colorées des gaz, je crois voir des tours étranges et des créatures longilignes. Mais peut-être est-ce le produit du hasard et de mon imagination. Des dégâts gratuits, ça fait toujours plaisir, hein, écoute. Ah, du H. Comme c'est pratique. Oh mon dieu, mon truc est mort. Faut pas que je fasse le malin parce qu'au final, ça... C'est un peu indispensable, le truc que je viens de perdre. Laine blanche maintenant! Allez! La prochaine, il faut que je trouve du fer absolument. Pendant mon voyage, j'ai repéré une sorte de filament blanc étrange, isolé dans le cosmos. Ah oui, c'est le truc de... le carburant hydrogène là, plutôt cool. Du fer, c'est tout ce dont j'ai besoin. Oui! Oui! Et une anomalie en plus, c'est parfait! C'est parfait! Oh, il y a un rocher curieusement brillant. C'est le composant d'un vaisseau alien. Je l'emporte avec moi. Peut-être pour genre, je vais faire quelque chose. Génial! Et je ferai en plus de ça. Juste magnifique. Tu es la beauté incarnée, mon bébé. La beauté incarnée. Je prends la sonde hydrogène et je prends l'extension planétaire parce que je veux la tester. Maintenant, le truc, c'est de ne pas mourir avant le prochain truc. Enfin, le prochain... Tu m'as compris. On va voir si je peux voyager avant de survivre sur l'Oméga. Je peux voyager jusque là-bas. Peut-être qu'il va se passer des bonnes choses. Nenjon, on y va. Je suis mal en point. Ok, des sortes de termites en métal ont creusé des trous partout, j'ai dû balancer de l'azote liquide, et j'ai pas mal de trucs qui sont HS maintenant. Donc ça, on l'avait déjà vu. Le truc que je viens de construire, les baisers, mais... un vaisseau! Ah oui, c'est action désespérée, mais attends. Non, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir sur un coup bête comme ça. Je le mets dans le carburant. Je sais que c'est con, ça peut être con, mais je préfère prendre aucun risque. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, voilà ma grosse ville! Ma grosse vieille. Voilà, c'est parfait, j'ai retrouvé ma grosse vieille, je suis content. Et me voici à bord de mon vaisseau ville gigantesque. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais j'y vais. Peu importe ce qui arrive. Cela s'appelle l'effet photoélectrique, alors un truc fichu, génial. Chaque fois, il faut qu'il y ait un truc qui se pète de toute façon, donc je suis même plus étonné, écoute. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Scanner. Hein. Une anomalie. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, voilà. Le truc où je vois un truc du futur, là, c'est quoi? L'antigravitationnel. Mais c'est parfait, dis-moi! C'est parfait! Oui, très bien, je suis d'accord. Bon, là, il faut absolument... Oh, putain, je vais encore me trouver dans la même configuration, hein. J'ai un nouveau vaisseau, et puis ça va me faire... Ah, tu vas mourir. Oh, en plus, c'est un trou noir. Il me fallait mon télescope, mais j'avais pas assez. Allez, supernova, dernier voyage, on verra bien ce qui se passe, hein. J'en ai des sueurs froides, je suis genre. Eh ben bordel. J'ai même pas fait d'erreur ce coup-ci, c'est juste... J'ai exploré les planètes après avoir eu le vaisseau, ce qui est normal. Je les ai scannés, j'ai fait « Ah, ça pourrait me servir, j'y vais. » Non, ça n'a pas suffi. Je me suis fait baiser. J'ai envie de pleurer presque, genre « Ah, encore un échec !» Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en favori, à partager la vidéo avec votre entourage si vous n'avez pas encore de vous être fidèle. Sur ce, bientôt, je vous dis pour une vidéo prochaine, tu verras.